Min bete me ko Fatima Dibso bangere wo wala he diwan lisato e si forno idan ay natan cukuda ko kay ma dayen min pol kam ber tan dungu bom ci tan biran da nyama hen wala je ya hen joon min batti bir min batti bir dungu batti bu ci kana wa mi LDB ko joon sak lewru moy der dani ton hedd chapal jeetati ujiner e wetchit ber welti noy gaynaako ande burin weltade gaynaako ber welti hen ber dañ hen ko ciurdum horam ber dañ hen gurdum bisna. Local milk production in Senegal is booming, but even though local demand for milk is increasing, most of the milk consumed by the Senegalese is imported powdered milk. This is quite a paradox, as there are more than 4 million cows in the country. Senegal's dairy sector is not at all structured. The remoteness of pastoral and agro-pastoral farms make milk collection very difficult. Even so, a dairy company has taken up the challenge of collecting and processing local milk, and it's working. La laiterie du berger a comme principale activité donc la collecte du lait auprès des éleveurs, la transformation de ce lait dans notre usine à Richard Toll. On va collecter auprès des éleveurs. Au début, c'était de petites quantités, mais après vraiment une douzaine d'années, là, on est sur de grosses quantités, à plus de 7000 litres par jour. Ça, vraiment, c'est une première au Sénégal. Notre modèle, c'est beaucoup plus orienté vers la collecte du lait des éleveurs, parce que nous, on cherche à avoir de l'impact au niveau social. C'est une forme d'inclusion des éleveurs dans la filière lait et dans le marché formel. La filière lait dans nos départements est mieux structurée qu'avant, grâce en partie au projet Africa Milk qui nous a permis d'améliorer la collecte du lait, mais aussi qui a accompagné tous les acteurs à donc, se concerter dans la plateforme d'innovation lait, les producteurs, les collecteurs, tous les acteurs de la filière lait, pour arriver actuellement à ce niveau de collecte très élevé. Des projets comme Africa Milk permettent de faire se rencontrer, de faire se retrouver autour de ces questions-là de développement et d'avoir des résultats à la fois scientifiques mais légitimes parce qu'on les a construits ces résultats-là. Et de cette façon-là, en réfléchissant ensemble, on trouve plus ou moins des solutions adéquates pour tous les acteurs. The Africa Milk Project, implemented by CIRAD and its partners, aims to develop technical and organizational innovations with all stakeholders in the milk industry as a way of increasing and securing local milk supplies. The ambition of the project is to help farmers produce more, better quality milk throughout the year. Dans le département de Dagana, nous avons à peu près 100 000 bovins. 10% de ce cheptel produit en saison humide. Et la production chute pendant la saison sèche. La laiterie du berger, avec le projet Africa Milk, a travaillé à améliorer les rations afin d'augmenter la productivité, la production en saison sèche. Donc en fait, ici, dans la région, on a d'un côté le Wallo, qui sont les terres irriguées du fleuve Sénégal, et ici, les terres du Djéri, qui sont les terres sèches. Dans le Wallo, il y a beaucoup de produits agricoles. Et donc l'objectif du projet Africa Milk, c'est aussi de pouvoir mettre à disposition toute cette biomasse disponible dans le Wallo pour les éleveurs du Djéri, afin d'augmenter leur productivité. Quand on va voir les éleveurs, on travaille sur l'alimentation animale et notamment sur les produits qu'ils utilisent. Il y a le népès, donc le son de riz, il y a la mélasse, il y a aussi le tourteau d'arachide. Ce sont trois principaux produits que l'on trouve au Sénégal et qui peuvent, une fois mixés, améliorer la ration si on individualise ces rations alimentaires par vache. Bon respecté. Cette production est bien unie. On a déjà 20 litres, même 30 litres. With backing from the Africa Milk Project and Laiterie du Berger, milk producers have managed to combine agroecology and intensive livestock farming. The social business model based on the inclusion of both farmers and industry owners has helped to structure the entire sector. The Africa Milk Project is also being developed in Kenya, Burkina Faso and Madagascar, based on the same idea. Integrating livestock farming into national economies as a lever for development.